Ce projet consiste à faciliter et amener la société civile et le gouvernement à travailler et à se coordonner sur l'ensemble des actions que portent et la société civile et le gouvernement. Donc c'est faciliter cette collaboration et ce travail en commun. Pour faciliter ce projet, l'AFD a tout d'abord écouté la Coalition nationale Éducation pour tous pour comprendre les articulations, les objectifs du projet. Et sur cette base-là, on a fait une lettre de soutien au projet, donc qui nous engage quelque part sur la qualité du projet et le fait qu'il s'inscrit dans le programme décennal de l'éducation de Guinée. Sur les financements, ça va être le FNUAD. Donc nous, on apporte un soutien, une garantie qualité. Nous, ce qu'on attend concrètement par rapport à ce projet, c'est d'améliorer la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Aujourd'hui, si vous voulez, tous les enfants du pays ont la même chance d'accéder à l'école. Cependant, quand ils accèdent à l'école, les filles ont moins de chances d'aller au bout. Les filles ont moins de chances de poursuivre leur scolarité au même rythme et avec la même chance que les garçons. Donc il faut rétablir cette injustice entre filles et garçons sur l'amélioration, l'accès et le maintien des enfants à l'école. Et aussi, il y a un certain nombre de travaux qui sont plus orientés vers les filles qui les empêchent d'aller au bout. Aujourd'hui, le travail de collaboration, donc ce projet, va permettre, à mon avis, d'améliorer non seulement l'élaboration des politiques éducatives, la mise en œuvre et le suivi de l'ensemble de ces actions. Madame la Présidente a évoqué la situation des filles dans les mines, donc c'est un problème entier pour le système éducatif. Les enfants qui se déplacent chaque année, donc voilà, l'ensemble de ces questions-là vont être portées par le projet. Ce financement que le Fonds des Nations Unies nous a octroyé, c'est 264 000 dollars, mais c'est les 240 000 dollars qui reviennent à la coalition pour la mise en œuvre des activités. Les 24 000 reviennent au suivi externe que le bailleur lui-même va faire à la mise en œuvre du projet. Dans 20 localités, 14 préfectures et les 6 communes de la capitale. Et c'est des zones impactées par les mines que nous avons choisies. Avant de lancer, nous avons essayé de doter nos structures à une formation sur les questions budgétaires. Connaître aussi le cycle du budget, la nomenclature budgétaire et aussi les techniques d'élaboration du cadre de dépenses à moyen terme, cadre du budget à moyen terme, pour comprendre réellement comment le ministère des Finances et de l'Économie et du Budget font la budgétisation au niveau du système éducatif pour que nous, au niveau des démembrements, parce que les localités que nous avons ciblées, que nous puissions vraiment accompagner ces structures déconcentrées à recueillir leurs besoins pour que la budgétisation au niveau des sectoriels puisse être prise en compte. C'est ça et nous voudrons vraiment travailler en synergie avec l'État. On n'est pas là pour être le contrôleur, mais accompagner pour que nous puissions vraiment changer le don que chacun de nous doit apporter pour un changement propice, surtout dans la transformation de l'éducation en Guinée. Quand nous prenons aujourd'hui le taux d'analphabétisme chez les filles, c'est vrai que l'accès n'a pas de problème, vous allez trouver dans les salles. Il y a les filles sont plus nombreuses que les garçons, mais malheureusement, au fur et à mesure qu'ils progressent, surtout à partir du brevet et le bac, vous allez voir que le taux a diminué. C'est pour cela que l'État vient d'avoir un partenariat avec le Partenariat mondial de l'éducation, avec ses partenaires, pour des 4 guichets. Mais le quatrième guichet, l'un des guichets, porte seulement sur le maintien des filles à l'école, les filles scolarisées et non scolarisées. Parce que nous voudrons vraiment voir comment ce processus-là peut aider pour que la fille soit maintenue à l'école et puisse progresser dans son développement environnemental et dans l'éducation. Surtout que nous sommes dans l'ère des numériques, qu'on arrête de faire des mariages précoces aux filles et que les filles disent que je ne peux pas faire les mathématiques ou en tout cas les sciences exactes, alors qu'on peut, on a les mêmes cerveaux que les hommes. Nous voudrons vraiment sensibiliser les parents, parce que nous, en tant qu'acteurs de la société civile,
nous sommes parents. C'est vrai que nous sommes interface entre l'État et la société, mais c'est d'aller sensibiliser les parents, d'accepter que nous, les filles, qui ont eu la chance d'étudier, ça veut dire que c'est pas une question de pauvreté, tout, mais qui peuvent arriver. Or, nous voudrons que vous, les médias, que vous nous aidiez à faire ce plaidoyer pour que nos parents acceptent que les filles, elles ont le même cerveau que les hommes, puissent aller vraiment à l'école. 2025, comme on l'a dit, Simandou 2040, que ce taux soit diminué chez les filles. Ce que nous voudrons, c'est de créer des gouvernements, c'est une approche du plan Guinée, dans les écoles que nous allons toucher, parce que vous avez dit, on a dit 14 préfectures seront touchées, les 14 préfectures impactées par la mine seront touchées. Dans chaque préfecture, nous allons cibler des écoles où on va créer des gouvernements d'écoles. Mais quand nous allons faire la discrimination positive, les filles seront plus nombreuses dans cette structuration pour qu'elles puissent apporter elles-mêmes leur plaidoyer. Nous allons les coacher, mais nous préférons que ce soit elles-mêmes qui peuvent, quand elles pensent vraiment, et puis nous commençons par l'éducation de base. Ce projet, comme intitulé, c'est un projet qui est lié au renforcement de la collaboration entre le gouvernement et la société civile. Vous savez, aujourd'hui, la société civile joue le rôle de veille citoyen. Donc tout ce qui se passe au niveau des collectivités, tout ce qui se passe au niveau de la population, c'est la société civile qui essaie de veiller à ce que leurs droits soient respectés et où leurs droits soient pris en compte dans tous les domaines. Alors, ce projet-ci s'inscrit dans ce cadre-là. Et ce projet parle plus de répartition des allocations budgétaires en faveur des structures déconcentrées. Donc si on prend l'historique aujourd'hui, la Guinée est partie aux engagements internationaux pour qu'à la fin du processus que nous avons entamé, c'est-à-dire notre plan sectoriel, à la fin de ce plan sectoriel, que les 20% des ressources de l'État soient allouées au secteur de l'éducation. Donc, aujourd'hui, quand on parle de système éducatif, on parle d'élèves. C'est parce qu'au finish, ce sont les élèves qui sont bénéficiaires. Alors, le système doit bénéficier de cette allocation-là. Et nous sommes en train de mener des démarches auprès du gouvernement pour que ces allocations-là soient mises à disposition au secteur de l'éducation et de la formation. Donc, aujourd'hui, même si nous n'avons pas de dispositif pour faire le suivi, la société civile est là. Voilà pourquoi ce projet, l'importance de ce projet. Parce que la société civile va déployer ses antennes sur le terrain pour un peu évaluer l'impact du financement que l'État met à disposition aux structures déconcentrées. Est-ce que c'est fait? C'est vrai, c'est bien beau de demander de mettre des fonds à notre disposition, mais est-ce que les fonds sont utilisés de façon judicieuse, de façon efficace et efficiente? Est-ce que les fonds ont été transformés en résultats? Donc c'est la société civile qui peut vraiment regarder ça de près et dire clairement à l'État, voilà les ressources que vous avez mises à la disposition de vos structures déconcentrées, voilà comment ces ressources-là ont été utilisées. Donc voilà un peu, et comme la société civile, l'État ne finance pas la société civile, la société civile a essayé de trouver ce financement-là pour pouvoir réaliser cette action commune pour un peu maîtriser la gestion fiduciaire au niveau du système éducatif. De la part de la coalition et de tous ceux qui sont présents dans cette cérémonie.